Tu es prêt à apprendre toute la vérité sur ces événements? Bien sûr. Je le savais. Tu penses que ces gens m'en veulent, et tu as raison. Mais j'aimerais en avoir la preuve. La vérité apparaît toujours. C'est vrai. Et alors, je pourrais suivre les traces d'Ulysse. L'Odyssée ne parle-t-elle pas d'Ulysse et de ses prouesses amoureuses? Ah bon? J'ai dû sauter les passages. Nous pourrions lire l'Odyssée, tous les deux. C'est comme ça que tu t'amuses? C'est excitant, la lecture. Tout nu, peut-être. Très belle idée. Nous reparlerons de nous, quand tout ça sera fini. Avant tout, ce message provenait du dirigeant de Mégaris. Il doit exister une preuve de ce qu'il prépare. Ah, si elle existe, elle est sûrement chez lui. Alors vas-y. Je trouverai cette preuve. Bien. J'aimerais en finir avec tout ça. Tu as une idée de ce que je dois chercher? Cet homme est le plus puissant de Mégaris. Je ne peux l'accuser que si je détiens la preuve qu'il veut se débarrasser de moi. En supposant que je trouve ce que tu cherches. Et ensuite? Ensuite, j'en parlerai à tout le monde. Le dirigeant ne pourra rien contre mon père et moi quand on connaîtra ses projets. Je reviendrai avec la preuve, quelle qu'elle soit. Je dois aller chez ce dirigeant pour en savoir plus. C'est l'endroit. S'il existe une preuve, c'est ici que je la trouverai. Je vais devoir être prudent. L'endroit est bien gardé. Le dirigeant de Mégaris voulait pousser Odessa à épouser quelqu'un. Un moyen idéal pour s'emparer du domaine de son père. D'après cette lettre, Odessa a engagé d'autres mercenaires. Je me demande pourquoi.
L'un des prétendants d'Odessa est mystérieusement mort peu après l'avoir rencontré. Cette lettre parle du domaine d'Odessa et de la nécessité de s'en emparer, par tous les moyens nécessaires. Je crois que j'en ai assez appris. Il faut que je retourne voir Odessa. Le dirigeant de Mégaris convoite le domaine d'Odessa. Il a tenté d'arranger un mariage pour s'en emparer à la mort de son père. Mais d'après ses lettres, un de ses prétendants a été tué, sans que l'on sache comment. On sait pourtant qu'elle a engagé d'autres mercenaires. Te revoilà. Avec de bonnes nouvelles, j'espère. Avant les choses sérieuses, est-ce qu'on pourrait enfin s'amuser un peu? Je crois que je peux t'accorder un peu de temps. Un peu ne suffira pas, il m'en faudra beaucoup plus. Je me sens si détendue. Donne-moi de tes nouvelles qui me laisseront dans cet état. Tu as engagé d'autres mercenaires ? Oh, pour de petites choses ici et là. Qui n'a jamais eu besoin de mercenaires, après tout ? Un homme que tu devais épouser a connu une fin brutale. Il a probablement été tué par ceux qui en veulent à ma vie. Avec tout ce que j'ai trouvé, je sais ce qui se passe. Ah, et c'est quoi? Tu ne mérites rien de tout ça. Tu essaies simplement de vivre ta vie. Naturellement, je n'ai rien fait de mal. Je veux simplement que mon père aille mieux et entamer ma propre odyssée. En attendant, on pourrait s'amuser un peu. Laisse-moi le temps de me remettre de nos derniers exploits. Ça valait le coup d'essayer. Bon, eh bien, je crois qu'il n'y a plus rien à faire maintenant. Pourquoi nous dire adieu? Tu pourrais te joindre à mon équipage. Eh bien, tu m'as toujours soutenu, et ce serait agréable de partir d'ici. Parfait, mais et ton père? Il se sent beaucoup mieux. Grâce à toi. Tu ne crains pas qu'on s'attaque à lui? Je vais transmettre les informations que tu as trouvées. Tant que nous les détiendrons, il ne craindra rien. Alors, bienvenue à bord.